petites trouvailles. Voilà un décapsuleur. En fait, on appelle ça un limonadier, si mes souvenirs sont bons. Bon, bah pareil, hein, celui-là, il va finir à la ferraille. Bon, il doit pas être tout jeune quand même, mais bon. Je pense pas que ce soit vraiment utile de le nettoyer. Parce que bon, on ne pourra jamais le récupérer. Hein. C'est tout rouillé, c'est tout... Ben voilà, allez, je vous prends à la prochaine trouvaille. Allez les amis, je vous reprends encore pour les petites pièces. Alors cela, ça ressemble vraiment à de la 5 centimes, mais elles sont collées. Donc je vais essayer quand même de les décoller, mais bon, j'y crois pas trop. On va quand même essayer. Et ça n'arrête pas de pleuvoir, ça n'arrête pas. Allez mes amis, je vous prends à la prochaine trouvaille. Allez les amis, je vous reprends pour une petite trouvaille. J'ai une petite pièce. On voit pas grand chose. Hein. Elle est pareille. On voit bien liberté, égalité, fraternité. Mais bon, je vais pas trop la... Ah, elle est un petit peu abîmée là, je crois. Ah non, même pas, c'est des feuilles. Mais écoutez, je la gratte pas trop. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, bon, bah, je vous mets une petite photo. Et voilà, bon, bah, c'est la deuxième, là, en... un quart d'heure de temps, c'est toujours sympa. Allez, une petite photo et je vous dis à la prochaine trouvaille. À tout à l'heure. Allez mes amis, je vous reprends. Il pleut, mais enfin bon, regardez un petit peu ça, c'est pas très très profond. Une belle petite pièce. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que j'y vois pas. Ah, ça y est, on commence à voir. 1914. Elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Ah, on commence à voir un petit peu là. Elle est vraiment. Bah, ça va parce qu'il pleut, donc ça va la mouiller un petit peu. Vraiment, vraiment, vraiment jolie celle-ci. On va essayer de la nettoyer un petit peu. Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. On n'arrive pas tellement à lire, mais... Enfin, elle est splendide. Ça y est, attendre un petit peu qu'il y aille... J'arrive pas trop à lire. Elle est magnifique. Pour moi, c'est une George 5, mais écoutez, hein, je vous la nettoie et je vous mets ça en photo. Allez, à la prochaine trouvaille. Bon, bah, je crois que je suis tombé sur une petite boissée. Regardez ça, ça c'est la première de tout à l'heure. Et là, juste à côté, une deuxième. Voilà, celle-là elle est à peu près la même. Mais bon, je, pareil, je la gratte pas trop. C'est marrant parce que cet endroit-là, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Donc, est-ce que c'est dû au changement de temps? Est-ce que c'est dû... Enfin, je l'avais pas fait avec l'équinoxe, donc... Bon, je pense pas qu'il y ait une grosse différence, mais ben voilà, hein. Bon, ben je continue, hein. Et puis je vous dis à tout à l'heure.